Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou ici en Amérique du Nord, nous vous disons merci. Merci d'assister à ce live avec notre cher partenaire Bertrand Défaut, Master Coach certifié. Notre partenaire est là pour vous accompagner dans vos démarches, pour pouvoir mieux vous intégrer ici au Canada. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, comment taper dans l'œil du recruteur depuis l'étranger, il est là pour vous aider, que ce soit en développement personnel, que ce soit pour rédiger votre CV ou pour mieux apparaître dans vos réseaux sociaux comme LinkedIn. Donc aujourd'hui, il est présent pour entrer en détail et pour répondre également à vos questions. Vous qui êtes présents, n'hésitez pas, il est là pour vous, pour que vous puissiez ressortir avec eux quelques informations pertinentes qui vont vous aider dans votre démarche pour venir ici au Canada. Donc, sans plus tarder, je vais inviter sur le plateau Bertrand Défaut. Bonjour, Master Coach certifié, comment tu vas? Bonjour, bonjour Stevia, je vais très bien. Merci à Immigration Entrepreneuriat pour l'invitation et puis je salue le beau public, le nombreux public de la chaîne. Très bien, merci. Nous te disons encore une fois merci d'assister à ce live et nous avons hâte que tu puisses répondre à plusieurs questions que po se posent des auditeurs, des auditrices concernant comment taper dans l'œil des recruteurs depuis l'étranger. On sait bien que depuis l'étranger, c'est pas souvent facile d'obtenir un emploi parce que c'est ça qui permet justement de faciliter certaines démarches pour venir ici au Canada. Donc, avec ton expertise, avec ton œil justement d'expert, tu vas nous élaborer, tu vas nous éclairer sur certains points très saillants de comment obtenir un emploi. Donc, sans plus tarder, je vais, avant d'aller dans le vif du sujet, bonsoir Stolen Jack, bonsoir Saïdou Balem Bargo. On va vous passer juste quelques témoignages pour que vous puissiez voir en fait la pertinence de notre chère collaboration avec Bertrand Défaut. Juste un petit moment. Salut tout le monde, mon nom c'est Darlene Davilus, je suis travailleuse sociale de formation, intervenante en santé mentale et coach en confiance en soi. Quelques mois de cela, j'avais pris la formation 30 jours pour devenir consultant à Éduque Nation et j'avais pour coach Monsieur Bertrand Défaut. Donc, j'avais beaucoup aimé l'expérience que j'ai faite à Éduque Nation de la formation pour devenir consultante. Non seulement Monsieur Bertrand m'avait aidé à clarifier mes objectifs et aussi il m'avait aidé à bien écrire mon histoire et comment que je dois le partager avec les gens que je rencontre. La deuxième chose que j'avais appris avec Monsieur Bertrand, c'est vraiment de trouver mon niche. Comment trouver mon niche sur Internet, sur quelle plateforme que je peux les trouver, comment faire pour le découvrir. Donc, si vous comptez faire la formation, je vous suggère fortement de le prendre. Parce qu'avant de rencontrer Bertrand, je pensais que j'ai raconté mon histoire et c'était bien dit, mais avec Bertrand, c'est vraiment différent parce que quand je raconte mon histoire maintenant, je peux voir la différence entre avant et après. Autre chose, avec Bertrand, vous avez non seulement le support du côté business, mais aussi le support du côté personnel et émotionnel aussi, parce que Bertrand m'avait aidé à gérer mon temps et aussi Bertrand m'avait aidé aussi à combattre la procrastination. Donc, c'est vraiment un coach que vous devez travailler avec parce que vous allez voir la différence entre avant et après et vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup tout le monde et n'hésitez pas de contacter le site web Éduque Nation ou envoyer un message à notre coach certifié Bertrand Défaut. Merci. Merci.
Alors, nous revoilà, nous revoilà. J'espère que vous êtes convaincus justement de cet apport très professionnel de notre cher Bertrand Defoe. Alors, Bertrand Defoe, comment tu vas aujourd'hui? Je vais super, super, super bien. En grande forme. C'est toujours un plaisir, Stevia, de travailler avec toi, d'échanger avec toi, évidemment. C'est encore un plus grand plaisir d'échanger avec le nombreux public d'immigration entrepreneur. Donc, je suis en super, super forme. Super. Nous aussi, nous sommes très, très contents. Avant d'entrer dans les questions, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Je sais que tu es Master Coach certifié, mais tu es encore quoi d'autre? C'est vraiment pour le public qui nous suit. Je ne veux pas être trop long parce que ça pourrait prendre plus d'une heure là, juste En à bref. dérouler mon CV. Ce n'est pas le but, évidemment, de cette rencontre. Donc, tu l'as dit, Stevia, je suis Master Coach certifié, Leadership Coach certifié aussi. Ça veut dire que je travaille en tant que Leadership Coach certifié avec des cadres d'entreprise, avec des leaders d'organisation, justement pour renforcer leur capacité en matière de leadership. J'accompagne également des équipes, que ce soit ici au Canada ou à l'international. Le monde est vaste, n'est-ce pas? Et avec le virtuel, ça me permet donc de travailler avec les gens d'un peu partout, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, bien entendu. Je suis également consultant en éducation, voilà, fondateur, directeur général d'Education Consulting Inc. depuis avril 2016, donc plus de 5 ans maintenant. Et nous sommes membre de la Chambre de commerce du Canada. 3 membres de mon équipe sont membres de la Fédération des coachs certifiés. Et je suis moi aussi membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Et je m'arrête là pour ce qui est de différentes organisations auxquelles je participe ou dont je suis membre. Je suis également membre du conseil d'administration et je tiens à le dire, de parents partenaires en éducation. C'est une organisation extraordinaire en Ontario, une province canadienne, donc qui regroupe les parents francophones en éducation. Ça me permet d'intervenir encore davantage là dans, ou d'influencer, d'apporter mon expertise dans certaines lois, certaines politiques en matière d'éducation en Ontario. Voilà, donc j'accompagne beaucoup de monde au Canada et à l'international. International. J'enseigne à l'international, j'enseigne au Canada également à différents niveaux. Voilà, je Très m'arrête pour mon CV. bien. Merci en tout cas. Ce que je retiens, qui est très important pour nous ici, c'est que tu es consultant en éducation et également master coach certifié, leader coach certifié, parce que ce sont ces deux points qui peuvent nous permettre justement de bien élaborer notre CV, de bien avoir la posture interne et externe pour mieux taper à l'œil, dans l'œil du recruteur depuis l'étranger. Donc, sans plus tarder, Bertrand, avant, on va entrer dans les questions. Il y a déjà des questions qui surgissent en commentaire. Il y a Stolenja qui demande ceci. Parfois, lorsque je postule, le recruteur me dit qu'il est intéressé par mon profil, mais comme je ne suis pas au Canada, c'est difficile car les agences d'immigration sont lentes. Que faire? Bon, merci. Je vais remercier Stolen, voilà, Stolen Jack pour la question. Oui, c'est une difficulté qui revient souvent. J'en ai entendu parler déjà par des personnes qui communiquent avec nous. La question du temps, et d'ailleurs tout récemment, je travaillais sur un dossier d'une dame dans un pays d'Afrique. À qui on a proposé ou à qui on voulait proposer un poste là d'enseignement, mais la procédure devait prendre à peu près 4 mois là, et puis voilà, la directrice de l'école ne pouvait simplement pas se permettre d'attendre 4 mois comme ça alors que la rentrée était déjà lancée. Malheureusement, dans ce genre de situation, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses à faire, hélas. Si l'employeur ne peut pas attendre, hein, comme dans le cas de la dame en Afrique pour l'enseignement, c'est très difficile. Cette directrice s'est vue certainement obligée de trouver quelqu'un d'autre, un enseignant, une enseignante, peut-être pas qualifiée, parce que cette dame d'Afrique avait toutes ses qualifications, tous ses diplômes, j'ai pu les obtenir et me les envoyer. Mais il y a des situations où l'employeur, et on le comprend, on se met à la place de l'employeur, l'employeur malheureusement ne peut pas attendre des mois, doit trouver, voilà,
trouver quelqu'un rapidement. Les jeunes ne peuvent pas rester en classe sans supervision, sans enseignement, tout simplement. C'est pareil aussi, par exemple, dans le domaine de la santé, où quand on a besoin d'un infirmier, d'une infirmière, par exemple, bon ben, on connaît et encore avec cette pandémie, on connaît la pression qu'il y a sur le système de santé, pas seulement au Canada, mais à travers le monde, là, j'imagine. Et bah, il faut trouver quelqu'un très, 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 très vite. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de solutions dans certains secteurs. Parfois, ça dépend des secteurs, des domaines d'emploi. Il y a des secteurs où l'employeur peut se permettre d'attendre, où la pression n'est pas trop grande, trop forte, ou en attendant que cette personne qualifiée de l'étranger arrive, puisse suivre toutes les démarches et arriver. Bon, ben, l'employeur peut combler le vide en répartissant ces tâches-là de cette personne-là qui manque au reste de l'équipe pendant un certain temps. Donc, tout est fonction du domaine d'emploi. Voilà ce que je dirais. Ton micro, c'était bien. Oh oui, je me suis oubliée dans mon micro. Juste pour retenir par rapport à cette question de Stolen Jack, c'est que ça dépend des recruteurs en fait. Ça dépend des secteurs, je veux dire. Il y a des secteurs où on peut se permettre d'attendre. Il y a d'autres secteurs où malheureusement on ne peut pas, comme l'éducation et la rentrée, etc. C'est bien ça. C'est une question. C'est bien ça. Mais je dirais à Stolen de relancer cet employeur-là. Quand un employeur vous dit que vous avez un bon profil, voilà, votre profil l'intéresse, ça veut dire que vous avez déjà, en quelque sorte, j'ai presque envie de dire, un pied dans la porte. Hein, vous avez déjà un pied dans la porte. Donc, gardez le contact avec cet employeur. Continuez à lui montrer votre intérêt pour le poste, pour son entreprise. Et il se peut bien qu'il, l'employeur, vous relance là, en sachant que voilà, les délais peuvent être longs, il pourrait avoir besoin de vous prochainement et cette fois-là prendre des dispositions un peu plus à l'avance. Dans certains domaines, dans certaines entreprises, le taux de roulement, on sait ce que ça veut dire le taux de roulement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui partent et qui viennent dans une entreprise, donc le taux de roulement peut être élevé. Il se peut donc que cet employeur-là ait besoin de vous à l'avenir ou que quelqu'un lui annonce, un membre de son personnel lui annonce, par exemple, qu'il ou elle va quitter, je sais pas moi, Dans dans quelques 6 mois, dans un an, voilà, dans quelques mois, un départ à la retraite. C'est que la population canadienne est vieillissante, hein. Il y a plus de personnes de 60 ans et plus que de personnes de moins de 60 ans au Canada. Donc, il y a beaucoup de départs à la retraite et cette pandémie a, en quelque sorte, contraint ou découragé, disons ça comme ça, découragé les baby boomers qui restaient, qui étaient encore là ou qui voulaient rester à rester. Ça les a découragés. Donc, il y a beaucoup comme ça, beaucoup de places qui se libèrent suite à des départs à la retraite. Donc, gardez le contact avec cet employeur-là. Très bien. Merci. Donc, ce que je retiens, c'est juste garder la foi et réessayer autant que possible. On ne sait jamais. Donc, pour poursuivre, pour les autres questions, Bertrand, quelqu'un nous pose la question, Yacine Raoul Ndiaye. Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'immigrer au Canada avec un permis de travail pour une personne sans diplôme dans le domaine agricole manœuvre parce que sur guichet emploi, il y a des offres sans diplôme requis. Ni expérience, comment y postuler? Merci Yacine, merci pour la question. Je voulais dire que je ne suis pas avocat spécialisé en immigration. Je travaille avec des avocats spécialisés en immigration qui, eux, elles, des femmes et des hommes, pourront vous donner davantage d'informations, de précisions là-dessus. Donc, je ne peux pas me permettre de jouer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas mon domaine de spécialisation. Donc, je profite de cette chaîne Stevia, pour dire que toute personne qui souhaite, comme Yacine, avoir plus de détails sur les questions d'ordre technique, de procédure, hein, procédure d'immigration, je vous invite à communiquer avec moi et je vous mettrai en contact là, avec un des avocats, une des avocates avec lesquelles je collabore, qui eux sont spécialisés en immigration.
Stevia, tu pourras, si tu le veux, afficher mon adresse email pour que OK. toute personne qui veut communiquer avec moi puisse le faire. Ce que je D'accord. vais dire, merci beaucoup Stevia, ce que je vais dire, pour rester dans mon champ de compétences, ce que je vais dire à Yacine, c'est que pour qu'un employeur canadien vous recrute, il faut que cet employeur démontre qu'il a cherché une personne qualifiée ici sur place et il n'a pas été en mesure donc de combler le poste par quelqu'un qui est déjà au pays. Alors voilà la condition. Donc on va publier le poste pendant un certain temps, il me semble que c'est 60 jours. Et bon, ben après ce délai, lorsque le poste n'est pas pourvu, lorsqu'il n'y a pas de candidat intéressé ou qualifié, cet employeur-là peut recruter quelqu'un à l'extérieur du pays. Voilà ce que je peux dire. Là, je vais m'arrêter là. Pour le reste, ça relève vraiment des avocats spécialisés en immigration. Migration. Très bien. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse. Je revenais à une question qui avait surgi lors de la vidéo qu'on avait tournée il y a de cela une semaine ou plus. Patrick Cheuseux avait posé une question. Quand vous parlez de bénévolat ou des recommandations, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour les personnes vivant déjà au Canada. Nous, on vit en Afrique. Ça a coupé. Je revenais dessus. Quelles sont nos chances d'être embauchés? Merci Patrick pour la question. C'est une question très, très pertinente. Comme nous avons expliqué dans la vidéo, comment taper dans l'œil des recruteurs canadiens depuis l'étranger, oui, il est possible d'effectuer des bénévolats, même si on vit encore hors du Canada. Et pour cela, il y a le site Internet, si tu veux publier cela, Stevia, s'il te plaît, bénévole.ca. Je vous exhorte à noter ce site, un très 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 bon site pour les opportunités de bénévolat, bénévole.ca. Il y a beaucoup 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 d'informations. N'allez pas dans ce site seulement pour 5 minutes. Prenez vraiment le temps de l'explorer parce que c'est une très 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 belle ressource en français et en anglais. Parcourez le site de fond en comble, prenez le temps et vous allez voir par exemple à peu près au milieu de la page d'accueil. Il y a l'onglet occasion de bénévolat virtuel. Occasion, voilà, merci beaucoup, c'était bien. Occasion de bénévolat virtuel. Vous cliquez dessus et puis vous explorez, mais vraiment explorez tout le site. C'est une très, 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 très belle ressource. Oui, il y a des possibilités d'effectuer du bénévolat depuis l'étranger. Et comme nous avons expliqué, on ne va pas refaire la vidéo ici aujourd'hui. Mais simplement un rappel de l'importance de faire du bénévolat. C'est une première expérience de travail canadienne et nous savons combien c'est important donc pour votre procédure, pour votre dossier, pour la connaissance aussi du Canada, la connaissance de la culture, voilà. Je ne peux que vous encourager à faire du bénévolat. Pas seulement au Canada, hein, pas seulement virtuellement au Canada. Même dans votre pays de résidence actuelle, faites du bénévolat. Vous en serez, vous ne pouvez qu'en être grandement gagnant et gagnante. Faisons du bénévolat. C'est extrêmement, extrêmement valorisé, extrêmement important. On apprend beaucoup. Ça nous permet d'avoir des références, ça nous permet de développer d'autres compétences, etc., etc. Très bien. Juste une question que tu vas répondre très rapidement. Est-ce que c'est payant les honoraires de l'avocat? Oui, Yacine, c'est payant la consultation. La consultation est de 150 $ canadiens. Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de limite de temps parce que voilà, les accords, le partenariat que j'ai avec ces avocats là, fait en sorte qu'il n'y a pas de limite. Normalement, pour les personnes qui passent directement par ces avocats, sans transiter par Éduc Nation, il y a une limite. On s'entend bien que quand on va voir un professionnel, il y a une limite, mais en passant par Éduc Nation, il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez, même pas vous pouvez, je vous conseille très fortement de préparer vos questions à l'avance, justement pour rentabiliser votre argent, là, vos 150 $ canadiens. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur votre dossier, sur votre procédure, etc., etc.
et l'avocat ou l'avocate qui travaillera avec vous ce jour-là se fera un immense plaisir de répondre à toutes ces questions. Ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 30 minutes, 45 minutes, voire même 1 heure, mais le prix est le même, c'est 150 dollars. Donc, préparez vos questions à l'avance pour vraiment en savoir au maximum sur la procédure d'immigration, les meilleurs programmes. Il y a tellement de programmes d'immigration pour le Canada. Il n'y a pas que Entrée Express, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans différentes provinces, différents secteurs, etc., etc. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'investir. Ce n'est pas une dépense. Faut changer de mindset, d'état d'esprit, là. Malheureusement, trop d'immigrants considèrent que payer les services d'un professionnel, c'est de l'argent gaspillé. C'est dommage, tant pis. Si on a cet état d'esprit-là, c'est un investissement. Vous avez les informations les plus sûres, vous avez les stratégies les plus efficaces. Ça vous permet de gagner du temps ou de ne pas en perdre et d'aller vraiment le plus vite possible, droit au but par rapport à vos objectifs pour vous et pour votre famille. Donc, 150 dollars canadiens seulement. Vous me contactez, je vous dirai comment faire pour le paiement et j'arrangerai pour vous là un rendez-vous avec un des avocats. Très bien. Merci beaucoup, Bertrand. Juste très rapidement répondre à Saïdou Balingo. Est-ce que tu peux trouver des emplois pour eux? Edug Nation s'occupe effectivement, merci pour la question Saïdou. Edug Nation s'occupe de vous aider à trouver un emploi au Canada. Nous travaillons d'ailleurs en ce moment avec plusieurs personnes d'Afrique notamment. C'est ce que nous faisons, mais nous ne vous aidons pas seulement à trouver un emploi. C'est tout un package, c'est tout un ensemble. Hein. On retravaille votre CV parce que la manière dont on fait les CV dans plusieurs pays d'Afrique, ce n'est pas de cette façon qu'on fait les CV. Ici au Canada, il y a plusieurs erreurs que je vois. Parce que beaucoup m'envoient leurs CV justement, que je les conseille, je les guide là. Il y a beaucoup d'erreurs. Bon, erreurs pour le Canada, mais ailleurs c'est correct. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se fait ici au Canada. Donc, on revoit votre CV avec vous. On revoit votre lettre de motivation ou de présentation, comme on appelle encore. On vous aide, si ce n'est pas déjà fait, à créer un profil sur LinkedIn. Si vous avez regardé la vidéo, comment taper dans l'œil des recruteurs, vous savez combien c'est important d'être sur cette plateforme pour professionnels et gens d'affaires. Il y a à peu près 1 milliard de personnes maintenant sur LinkedIn. Donc, si vous n'y êtes pas, créez votre profil. Si vous ne savez pas comment faire, nous sommes là pour vous. Si vous êtes déjà sur LinkedIn, on va vous montrer comment optimiser votre profil. Il y a des profils dormants, des profils qui sont mal faits, voilà, qui n'attire pas grand monde, là, et pourtant, vous avez un très beau parcours. On va vous donner des techniques. On va vous aider aussi à préparer des entrevues. Parce que c'est bien d'avoir les contacts des employeurs, hein, des recruteurs, mais quand on vous convoque en entrevue, là, comment répondre aux questions? Il y a une façon de répondre. Il y a une mentalité canadienne. Il y a une culture canadienne. Il y a une façon de répondre aux questions d'entrevue, là, quand on a affaire à une entreprise canadienne ou à un organisme canadien. Il faut connaître tout ça. Et le cadeau qu'on a pour vous, là, c'est qu'on vous ouvre une partie de notre réseau professionnel. Ça fait 17 ans que je vis au Canada, c'est pas 20 ans que j'ai quitté mon pays en Afrique. C'est beaucoup, 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 pas seulement d'expertise, ça, je l'ai dit déjà d'entrée de jeu, mais c'est beaucoup de réseau. Et comme j'ai dit dans la vidéo, j'insiste là-dessus, le réseau est plus important que le diplôme. Faut pas croire que le Canada est différent de nos pays, hein. Oui. Quelque part, il est différent, mais il est semblable aussi. Parce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de connexions, beaucoup de connaissances, plutôt que beaucoup de diplômes sans réseau. Et nous, à Edup Nation, le cadeau qu'on vous offre, c'est de vous ouvrir une partie de notre réseau d'affaires, de notre réseau professionnel. On va vous introduire dans certains groupes, on va vous guider vers certaines entreprises, vers certaines personnes avec lesquelles nous collaborons, ou même des connaissances personnelles de le réseau personnel. Donc voilà. Très bien. Yacine, voici le courriel de Bertrand qui est affiché bertrand@educationconsulting.com. Avant de poursuivre, nous allons faire une petite page de publicité avec toujours un témoignage de tous les bienfaits professionnels, les apports que peut apporter justement l'accompagnement avec Bertrand Defoe. Tout de suite. Bonjour, mon nom est Marie-Thérèse.
Je suis enseignante de profession. Éducation Consulting Inc. a permis de transformer ma profession en une passion à travers la formation que je viens de compléter sur le devenir consultante ou consultant en 30 jours ou moins. Alors, avec le coach Bertrand, j'ai d'abord appris à reconnaître et faire connaître mes qualités et atouts, tant bien professionnels que personnels. Son leadership, sa patience et ses connaissances en la matière m'ont permis de développer mes propres connaissances en leadership, mais aussi d'améliorer mes habiletés de communication. Dans cette formation, j'ai donc appris de nouvelles perspectives et de nouvelles idées en matière de consultation. Il s'agit donc d'un apprentissage concret et authentique qui contribue et qui va contribuer et qui va continuer à contribuer à ma croissance professionnelle dans mon domaine de l'éducation. Je recommanderais cette formation pour trois raisons. Premièrement, on travaille avec un coach certifié et un consultant qui a fait ses preuves sur le plan national et international. Deuxièmement, Bertrand est patient et attentif aux besoins de ses élèves. Et troisièmement, on continue de bénéficier pendant et après la formation de ses rétroactions et de son réseau professionnel. Alors, inscrivez-vous maintenant. Comme elle a dit, inscrivez-vous maintenant pour être accompagné afin de pouvoir exposer les regards des recruteurs ici au Canada pour que vous puissiez traverser justement le continent si vous êtes en Afrique ou traverser justement la mer ou peu importe. Bon, Bertrand, avant de pouvoir répondre à d'autres questions qui vont surgir bientôt, j'aimerais qu'on revienne sur des points très saillants de la vidéo qu'on a fait. Juste pour mentionner des points très importants que moi j'ai retenus tout au long parce que c'est des points qui me marquent également. Pour pouvoir taper dans l'œil des recruteurs, la première chose à faire, tu as dit, c'est la confiance en soi. Juste Absolument. détailler, genre, une minute, 2 minutes, pas plus, la confiance en soi, en quoi c'est important. Merci beaucoup, Stevia. La confiance en soi, là, Stevia, c'est le carburant. C'est l'équivalent de d'avoir du carburant dans son auto, par exemple. Sans confiance en soi, notre CV, notre parcours, il est plat. Il manque de relief, il manque de saveur, il manque d'épices, il manque de sel. C'est la confiance en nous là qui va nous permettre de d'oser écrire, d'oser contacter les recruteurs, d'oser se mettre en avant, d'oser affronter les refus parce que il y a des refus. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que quand vous allez écrire un recruteur là, tout de suite vous allez être engagé. Non. Quelquefois le recruteur ne vous répondra pas. Il ou elle vous répondra peut-être après 2 mois, après 6 mois. Vous aurez même déjà peut-être oublié dans certains cas que vous avez contacté cette entreprise quand vous allez recevoir un courriel ou un email. Mais c'est la confiance en soi qui va vous aider à aller au-delà de ça. Et quand vous développez votre confiance en soi, vous prenez davantage conscience, Stevia, de votre valeur en tant que professionnel. Le premier handicap que je note, et je suis passé par là, okay? Le premier handicap que je note, c'est celui-là. Une confiance en soi basse. On n'est pas conscient de sa valeur. On a l'impression qu'on demande le monde à un recruteur. Non, non, non. Quand le recruteur nous dit que notre CV l'intéresse, ça veut dire que réellement notre CV l'intéresse. Ça veut dire qu'il a vu à travers notre CV de quoi nous sommes capables. Il est conscient de ce que nous pouvons apporter à son entreprise. Et lorsqu'il entreprend la démarche de nous recruter, par exemple, c'est parce qu'il sait. Il sait que nous aurons une grande valeur ajoutée dans son chiffre d'affaires, dans la performance, dans la productivité de son équipe ou de son entreprise. Alors, c'est un échange de bons procédés, c'est un échange de services, en quelque sorte. Il faut prendre conscience de ça. L'autre aspect que je développe énormément dans mes accompagnements, et puis la dame qui vient de faire le témoignage, Marie-Thérèse, je ne vais pas parler des difficultés qu'elle avait, mais juste pour dire un mot, beaucoup de personnes ne sont pas tout à fait conscientes de leur valeur, j'ai déjà dit, et beaucoup de personnes négligent, ne savent même pas
qu'elles peuvent exploiter ce côté-là et qu'elles doivent exploiter ce côté-là. C'est notre vie personnelle, c'est notre parcours en tant qu'individu. On nous a appris à focaliser l'attention sur les diplômes, sur les qualifications, les certifications, c'est bien. Mais il faut bien se dire que quand une entreprise vous recrute, là, elle ne recrute pas un CV, elle recrute un individu. Vous êtes une personne unique au-delà de vos diplômes. Vos diplômes peuvent brûler, d'ailleurs. Souvent, une maison brûle ou bien on perd ses diplômes. Mais on reste soi-même, n'est-ce pas? On reste Bertrand, on reste Stevia, on reste, etc., etc. Donc, prenez conscience, prenons conscience de qui nous sommes, de notre trajectoire, des difficultés, de, peut-être même des drames qu'on a vécu. Il faut être capable de capitaliser sur ces drames, de capitaliser sur nos victoires aussi. Et c'est tout ça qui fait la richesse de notre candidature. Ce n'est pas juste un CV, ce n'est pas juste des bouts de papier, des diplômes. Non, non, non. C'est un ensemble. Je vais vous montrer dans le coaching comment valoriser votre histoire. Comment faire de votre histoire, même si elle est tragique, même si elle est dramatique, même si vous avez l'impression que votre vie a été chaotique jusqu'à présent. Je vais vous faire voir qu'en réalité, vous avez de l'or entre vos mains. Votre vie, c'est une mine d'or. Il faut savoir l'exploiter. Wow. Wow. Votre vie est une mine d'or. Il faut savoir l'exploiter. En effet, vous êtes des individus, vous ne vous représentez pas votre CV. Parfois, c'est vrai, Bertrand, quand on regarde son CV, on se dit, oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. On est démoralisé, on est, comme tu dis, en manque de confiance en soi, en manque d'estime en soi. Mais je sais, je suis convaincue que grâce à toi, on est capable d'avoir un autre regard de soi-même, enfin justement de mieux se valoriser, comme diraient plusieurs témoignages. Tu nous permets d'avoir, de raconter en fait une autre histoire de nous-mêmes. Et c'est très important, que vous soyez à l'étranger ou ici, avoir cette estime de soi, cette confiance en soi est très important. Et vous allez savoir que même étant loin, vous êtes capable de venir ici. J'en ai des témoignages des personnes qui étaient au Cameroun, qui ont été recrutées aux États-Unis parce qu'ils ont osé postuler à des postes aux États-Unis parce que justement ils avaient confiance en eux. Donc, si vous manquez justement de confiance en soi, Bertrand Desfonds, Master Coach certifié et leadership, hein? Leadership Leadership coach certifié. coach certifié, merci, est là pour vous aider. Merci beaucoup Christian Dagbo, merci pour le direct. Merci Saïdou, merci beaucoup. Je veux votre contact. On va le mettre encore une fois ici en barre de description. Vous pouvez aller sur le site edugnactionconsulting.com et également le courriel de Bertrand Defoe et bertrand@edugnactionconsulting.com. Désolée, je suis un peu enrhumée si ça se voit. Ça se ressent quelque peu. Désolée, j'irai laver mes mains plus tard. Je suis seule chez moi, donc j'ai personne avec qui je vais contacter ce virus du rhume, hein, comme c'est le temps. C'est Nous la allons saison qui a commencé, hein, c'est la la saison saison qui a exacte. commencé. Exactement, exactement. Et quand tu as des enfants en bas âge qui vont à la crèche, n'en parlons plus. C'est la saison. Bon, nous allons poursuivre, Bertrand. Quels sont les autres points saillants? On va juste en citer deux. Et après, on va mettre fin au live parce que le but n'est pas de reprendre la vidéo. La vidéo, elle est là. Vous pouvez toujours aller sur le site Immigration Entrepreneuriat. Tout est dit. Comment taper dans l'un des recruteurs? Les points saillants ont été énumérés. Nous allons juste aborder deux ou trois. Il nous reste deux présentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il est là, présent, pour répondre à tout cela. Allons-y, Bertrand. Merci, merci beaucoup, Stevia. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le CV. Je reçois beaucoup de CV avec des fautes. Non seulement ce n'est pas fait à la manière canadienne, mais là, ce n'est pas très grave parce que comme on ne vit pas au Canada, c'est normal de ne pas savoir comment ça se fait un CV au Canada. Donc, ça, c'est correct. Mais des CV avec des fautes, là, des fautes faute de français là. Ça renvoie un message négatif là, une image négative de vous.
à l'employeur potentiel. C'est très, très important. Relisez bien vos CV. Évidemment, je sais que tout le monde n'a pas une qualité de français parfaite, parfaite. Ce n'est pas notre langue maternelle pour la plupart d'entre nous, donc c'est correct, il n'y a pas de drame par rapport à ça. Mais relisez bien et faites relire vos CV par quelqu'un, peut-être, voilà, qui a un peu plus de compétences linguistiques. Hein. C'est très, très, très important. Il y a d'ailleurs aussi des correcteurs, hein, des correcteurs en ligne, là, des logiciels qui permettent de détecter les petites erreurs de grammaire et d'orthographe. Très important d'avoir un CV le plus impeccable possible. Ça c'est un point. L'autre point encore, c'est celui des références. Parce que lorsque vous passez une entrevue, l'étape suivante, c'est la vérification des références. Les employeurs canadiens demandent des références. Et ça me permet d'insister sur l'importance de travailler avec Éducation parce que nous vous servons de référence. Nous vous servons, je personnellement, je vous sers de référence. Ayant travaillé avec vous pendant un certain nombre de semaines, pour certains même pendant des mois, je suis capable de dire à un employeur potentiel, écoutez, Stevia, elle a telle, telle habitude. Voilà 3 mois, par exemple, que nous travaillons ensemble et elle a toujours été ponctuelle. Elle est polie, elle est responsable. Voici les points que j'ai notés dans son parcours. Voici un défi auquel elle fait face. Voici ses points forts et je peux donner ma parole là, comme quoi vraiment, dans votre équipe, elle va être d'un apport positif, d'un apport significatif. Donc, je vous sers de référence, Éducation vous sert de référence quand vous travaillez avec nous. Et une référence au Canada, ça vaut de l'or. Je ne dis pas que les références à l'extérieur ne comptent pas, elles comptent, puisque vous êtes encore à l'extérieur du Canada, mais avoir une référence au Canada, ça vaut de l'or. En général, on demande 3 références. Donc, vous donnerez 2 dans votre pays, vous donnerez mon nom, mon contact comme une de vos références quand vous avez travaillé avec Éducation. Voilà ce que je peux dire. S'il y a encore quelques questions, on va aller. J'aime bien répondre aux questions parce que ça cible vraiment les besoins du public, là. Donc, j'espère qu'il y a d'autres questions. Ton micro, c'était bien. Excusez-moi. Juste pour résumer, ce sont les... En fait, avoir une référence est très important. Donc, si on travaille, on est accompagné par Éducation, te mettre sur le CV comme référence est très important. Ça vient justement appuyer beaucoup de choses de la personne au futur recruteur ou au recruteur auquel vous allez présenter votre CV. Et c'est vrai, c'est important. Les références ici au Canada sont un point crucial. On va toujours vous demander où est-ce que vous avez travaillé. Avez-vous quelqu'un qui peut confirmer ce que vous êtes, vos compétences, etc. C'est très important. Excusez-moi. Même pour le logement, là, même quand vous cherchez un logement, quand vous arriverez, là, vous serez à la recherche d'un appartement ou d'une maison, on va vous demander des références. Parce qu'on veut, le propriétaire ou la propriétaire veut savoir à qui elle a affaire. Vous pouvez vous donner le contact de la personne chez qui vous logiez avant, ou le contact de votre employeur ici, ou le contact de... Bref, donnez-nous 2 ou 3 noms de personnes qui vous connaissent et qui peuvent confirmer que, voilà, vous êtes une bonne personne, qu'on peut vous faire confiance, que vous allez payer votre loyer à temps, que vous allez utiliser l'appartement ou la maison avec soin, avec respect, sans détruire, sans détruire le local, etc., etc. C'est extrêmement important, les références. Voilà pourquoi il faut avoir un réseau le plus étendu, le plus développé possible. Le réseau est plus important que les diplômes. C'est vrai. C'est vrai, tu l'as dit, tu le dis. Même quand vous arrivez ici, là, même quand vous arrivez ici par voie, par n'importe quelle voie, vous êtes arrivé ici, le premier emploi que vous avez,
Même si tout votre parcours était au Cameroun ou en France ou peu importe, on va vous demander une référence. Parfois, vous allez vous sentir déboussolé, mais je prends où cette référence-là? J'ai jamais travaillé au Canada. Pourquoi le recruteur me pose cette question-là? Mais justement, grâce à Éduque Nation qui vous accompagne, il vous sert de référence. Donc, vous avez juste à dire, Bertrand, son numéro, son courriel, etc. Et je vous assure que parmi toutes les personnes qui postulent, juste une référence fait la différence. Et une bonne référence fait toute la différence à être recruté. Donc, de rien. Donc, voilà. Pour le moment, nous n'avons pas de questions, mais il nous reste peut-être 3 minutes déjà pour conclure. Donc, nous arrivons de toute façon à la fin. Juste, est-ce que tu as un dernier point par rapport à comment taper dans l'œil des retours au Canada depuis l'étranger, Bertrand? Oui, je dirais de ne pas se décourager. Ça peut sembler long, exhaustif. Voilà, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ne vous découragez pas, c'est le parcours du combattant, je le sais. Continuez, restez actifs sur les réseaux, sur LinkedIn notamment. Facebook, c'est bien, mais LinkedIn, c'est encore mieux quand on veut trouver un employeur, un potentiel employeur. Donc, voilà, continuez. Faites-vous accompagner. Faudrait changer de mindset, changer d'état d'esprit, là. Considérez que quand vous payez les services d'un professionnel, que ce soit Éduque Nation ou n'importe quel professionnel, peu importe, là, c'est un investissement. C'est un investissement. Regardez ça pas comme une dépense, mais comme un investissement. Pour gagner du temps, pour éviter des erreurs, éviter des regrets, et ainsi de suite. Et comme cadeau de fin, je voulais vous donner cette information. Il y a une foire, virtuelle. Si tu veux afficher le lien, Stevia, Oui, oui, oui. centrefranco.org, voilà, le jeudi 7 octobre de 10 h à 16 h, c'est-à-dire de, voilà le lien. C'est une foire virtuelle, il y aura beaucoup, beaucoup d'employeurs canadiens. Il y a souvent des foires virtuelles comme ça. C'est un autre avantage de travailler avec Éduque Nation, nous avons toutes ces informations-là. Nous avons un vaste réseau d'affaires, réseau professionnel, vu que, voilà, ça fait 17 ans que je fonctionne ici, que je vis, que j'étudie, que je travaille ici, et puis Éduque Nation est bien implantée maintenant depuis un peu plus de 5 ans. Donc, nous sommes au courant de tous ces événements-là. Et le 7 octobre, il y a une foire virtuelle. Ce n'est pas la seule foire. Il y a d'autres qui sont programmées en octobre et une autre en novembre. Mais le cadeau que je vous donne aujourd'hui, c'est cette information-ci. Vous pouvez déjà explorer déjà ce lien, ce site internet, communiquer déjà avec ses employeurs potentiels. Alors, l'heure ici, c'est l'heure de Toronto. En heure du Cameroun, par exemple, ça va faire 15 h, 10 h. C'est 15, 10 h à Toronto, c'est 15 h au Cameroun. Et 16 h, bon, plus 5, ça va faire 21 h. Donc, de 15 h à 21 h au Cameroun, de 14 h à 20 h à Ouagadougou et ou à Abidjan et de 16 h à 22 h à Paris, voilà. Donc pour cette foire virtuelle le 7 octobre, il y a d'autres événements comme ça qui sont programmés en octobre et en novembre. Très bien. Merci, 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 merci beaucoup, Bertrand, pour toutes ces informations. Donc, c'était un cours live. C'était un cours live. On vous a donné quelques références comme centrefranco.org.fr. Si vous voulez contacter Monsieur Bertrand Defoe, vous avez son courriel ici, bertrand@educationconsulting.com, également son site internet et educationconsulting.com. Donc, sans hésiter, nous allons passer à un court témoignage très rapide de 2 minutes avant de conclure ce live.
Bonjour, je me nomme Rosanne, maman de trois merveilleux enfants et j'aimerais apporter un témoignage à l'égard du coach Bertrand Defoe. En effet, tout débute il y a de cela quelques mois où j'étais aux prises à de nombreux questionnements par rapport à l'avenir de mes jeunes enfants, tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. C'est dans ce contexte de réflexion, de cogitation, de méditation que m'est venue à l'idée de recourir au service d'un professionnel afin de m'aider à apporter des éclaircissements à mes nombreuses interrogations. Compte tenu de son champ d'expertise, qui de mieux placé que le coach Bertrand Defoe pour voler à mon secours? Depuis lors, nous avions entamé plusieurs séances de coaching, séances au cours desquelles j'en ressors toujours bien nanti, bien outillé par la pertinence des informations qui en découlent. Ce qui m'impressionne chez le coach Bertrand Defoe, c'est le fait qu'il fait montre d'un très grand professionnalisme tant à travers la qualité de ses interventions, que sa ponctualité, sa disponibilité, ses multiples rappels et suivis pour ne citer que cela. D'ailleurs, à plusieurs reprises, et ce, compte tenu de mes multiples occupations, il m'est arrivé d'oublier de m'inscrire aux sessions suivantes de coaching. Et c'est grâce à la vigilance du coach Bertrand Defoe à travers ses rappels que je pouvais procéder à mon inscription. Et des fois, il prenait de son temps pour effectuer mon enregistrement aux dates et aux heures qui me conviennent. Bien plus, le coach Bertrand Defoe montre une connaissance approfondie des adolescents, de leur psychologie ainsi que de leurs besoins. Un autre trait marquant du coach Bertrand Defoe est son sens prononcé et aigu à l'écoute active, la pertinence de ses analyses et sa profonde connaissance, que dis-je, maîtrise du monde de l'éducation et du monde professionnel. Par exemple, récemment, j'ai demandé au coach certifié Bertrand Defoe de m'aider à faire le choix de la prochaine école scolaire secondaire de mon fils aîné ainsi que du programme d'études, car mon fils est en voie de terminer son primaire. Après avoir fait des recherches, le coach Bertrand Defoe a demandé à parler à mon fils afin de connaître ses intérêts et par la suite nous avions discuté des différentes avenues possibles. Pendant sa conversation avec mon garçon, j'ai énormément apprécié sa gentillesse, sa simplicité ainsi que sa complicité car le coach agissait envers mon fils comme s'il le connaissait depuis toujours. Au terme de cette conversation, le coach certifié Bertrand Defoe nous a fait deux suggestions de programme que nous allons certainement suivre l'une d'elles. Je ne peux que te remercier, coach Defoe, car tu es une source d'inspiration pour moi. Merci énormément pour tout le soutien que tu nous apportes. Je n'hésiterai pas à te recommander à des connaissances et amis. Thank you, coach Bertrand. You are the best. Merci infiniment. C'était Rosanne depuis Montréal. Merci pour ton apport, Bertrand. Je vois que on te remercie en anglais, on te remercie en français, c'est tellement
Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci également pour tout ce que tu fais pour toutes les personnes qui te suivent actuellement sur la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Je sais, je suis convaincue que tu en auras beaucoup que tu vas accompagner parce que c'est très important, comme le dit, et on ne cessera de le répéter, d'être accompagné. Vous gagnez en temps, vous gagnez en énergie, vous gagnez en argent. Ça ne sert à rien de venir ici et te dire je vais tenter l'aventure, je vais. C'est tellement vaste et vous pouvez tellement vous perdre. Vous ne saurez même pas comment commencer à mettre de la tête. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir gagner en énergie, gagner en temps et atteindre rapidement vos objectifs. Et Bertrand de Éduque Nation Consulting Inc., avec toute son équipe, est là pour vous accompagner, que ce soit en éducation, en formation et en développement personnel. Il est là pour vous est disponible. Donc, nous allons terminer ce live. Nous allons dire merci à tous ceux qui ont été présents. Merci également, Bertrand, si tu as un dernier mot, c'est maintenant. Merci, merci Stevia. Dernier mot pour dire merci. Merci à toi, merci à Stéphane, merci à la chaîne Immigration Entrepreneuriat. Évidemment, je remercie le nombreux public, toutes les personnes qui sont présentes là pour ce direct et toutes celles qui regarderont la vidéo par la suite. Je Après. reste disponible. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner dans la réalisation de votre rêve, de votre projet personnel, familial. En tant qu'immigrant moi-même, là, ça fait 17 ans que je suis au Canada, 20 ans que je quittais mon pays d'origine en Afrique. Je sais combien c'est important pour vous. Je sais aussi combien ça peut être exhaustif, combien ça peut être frustrant, parfois stressant. Je le sais, je l'ai vécu. Je sais aussi que une fois au Canada, pour ceux et celles qui nous regardent, étant déjà au Canada, ce n'est pas gagné non plus. On a toujours besoin d'accompagnement. Certaines statistiques là montrent que ça prend en moyenne 5 ans lorsqu'on arrive au Canada pour considérer que voilà, on a terminé l'étape de l'intégration. Mais lorsque vous faites accompagner, ces 5 ans peuvent être facilement transformés en quelques mois ou en un an. Parce que vous allez profiter des erreurs que nous avons commises, vous allez profiter de notre expérience, de notre expertise, vous allez profiter de notre réseau. Et tout cela, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde, merci Bertrand, merci à tous. À très bientôt. Au revoir.